partout. Mais pourquoi tenter de longs voyages et se déranger quand les fleurs de ces rivages peuvent se respirer? Place Pigalle, Place Pigalle, c'est là que le monde entier vient pour se rencontrer et pour patifoler. Place Pigalle, Place Pigalle, vous verrez papillonner tous les gens. Bonjour, je suis arrivé à Paris hier. Quand même un long voyage, ça a pris 20 heures de porte à porte. Je vais commencer mon expédition aujourd'hui par la visite des catacombes. Je ne sais pas si je vais avoir le droit de prendre des photos ou de prendre des vidéos, mais je vais quand même essayer. C'est ce qu'on va voir. À plus. On vend la drogue et le rêve, les fleurs, les baisers. C'est comme un marché où s'entrecroise le mal. Il y a beaucoup de monde qui attend. La Catin, Place Pigalle, Place Pigalle, c'est là que le monde entier vient. Alors voilà, on vient d'entrer dans les catacombes où on va voir l'ossuaire. J'adore. Catacombes.
Bon, mais les catacombes de Paris, c'était très intéressant. Vu qu'on est à côté du cimetière Montparnasse, on va en profiter également pour faire une petite visite. Il y a des gens quand même très célèbres qui sont enterrés dans ce cimetière-là. Celui-là que je connais le plus, c'est Serge Gainsbourg. Et je crois aussi Guy de Maupassant. On va aller voir ça. Bon, et maintenant, on va essayer de trouver la tombe de Serge Gainsbourg. D'après moi, elle ne sera pas difficile à trouver. Il doit y avoir encore beaucoup de fleurs dessus. Je suis venu te dire que je m'en vais. Et tes larmes n'y pourront rien changer. Comme dit si bien Verlaine. J'ai suivi les fleurs. Effectivement. J'ai trouvé cela, Serge Gainsbourg. Des clopes. Il manque l'alcool. Des adieux à jamais. Je suis au regret. Te dire que je m'en vais, mais je t'aimais, oui, mais je suis venu te dire que je m'en vais. Tes sanglots longs ne pourront rien changer. Comme dit si bien Verlaine, au vent mauvais, je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours heureux et tu pleures. Tu sanglotes, tu gémis, apeurant que ce n'est l'heure. Des adieux à jamais, je suis au regret. Te dire que je m'en vais, car tu m'en as trop fait. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tes larmes n'y pourront rien changer. Comme dit si bien Verlaine, au vent mauvais, je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours anciens où tu pleures. Tu suffoques, tu blêmis, à présent que ce n'est l'heureux. Des adieux à jamais, je suis au regret. Tu te dis que je m'en vais. Oui, je t'aimais, oui, mais je suis venu te dire que je m'en vais. Tes sanglots longs n'y pourront rien changer. Comme dit si bien Verlaine, au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours heureux et tu pleures. Tu sanglotes, tu gémis à présent. Personne n'est heureux. Des adieux à jamais. Oui, je suis au regret. Bon bien, et voilà. Après avoir visité les catacombes cet après-midi ainsi que le cimetière Montparnasse, nous allons continuer la soirée avec le souper au Moulin Rouge. Thank you.
Bon, mais aujourd'hui, on vient d'arriver à Versailles. Donc, on va visiter le palais de Versailles. Et ça va beaucoup mieux aller. Il y a un petit monsieur qui prend une photo. Voilà. Je fais une petite vidéo de voyage. Alors, c'est toujours pratique. Okay, bonjour. On a du son ici, donc ça devrait bien aller. Bonjour. Ma guide pour aujourd'hui, ça va bien aller. Et mes collègues. Voilà. Hello. Bonjour. 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 That's good. Okay. Mais veux-tu ta vidéo à toi? Et toi, t'es pas dessus? What you can do, you can actually just look at me. Hein? C'est une voix? Oh, là, tout va bien, là. OK. Et en plus, on va bien m'entendre quand même. Donc, ah oui. Bonjour tout le monde. Là, t'es bien, t'es devant l'entrée? C'est Versailles. Ça, c'est la porte du roi, donc c'est par là que je vais rentrer. Thank you.
Bon, ben fin de la visite du palais de Versailles. Maintenant, on va regarder les jardins. Pour lieu, Paris la belle en langue de Dieu, 1482, histoire d'amour et de désir, les artistes anonymes, de la sculpture ou de la rime,
tenteront de vous la transcrire pour les siècles à venir. Il est venu le temps des cathédrales. Le monde est entré dans un nouveau millénaire. L'homme a voulu monter vers les étoiles, écrire son histoire dans le verre ou dans la pierre. Après pierre, jour après jour, de siècle en siècle avec amour, il a vu s'élever les tours qu'il avait bâties de ses mains. Les poètes et les troubadours ont chanté des chansons d'amour qui promettaient tout genre humain de meilleurs lendemains. Il est venu le temps des cas. Je suis devant une statue qui veut dire beaucoup pour moi. Charlemagne, celui qu'on considère le père de l'Europe. Quand j'ai commencé comme acteur, il y a de cela maintenant 18 ans, c'est comme Charlemagne pour la compagnie médiévale. Fait que c'est un personnage que j'ai toujours trouvé important. J'ai encore aussi autour du cou un denier carolingien qui avait été fait par Patrick Marquis de la compagnie médiévale. On voit ici. C'est pour se rappeler de ça. Fait que la seule chose qui obscurcit ce moment important pour moi, c'est que... On va le voir. Je viens de me faire chier dessus par un calice de pigeons. C'est plate. Je ne sais pas si l'année de plus blonde, mais de plus belle, il n'en est pas pour moi. Elle est vraiment toute la joie du monde, ma vie commence dès que je la vois. Et je fais oh, et je fais ah. C'est si bon de partir n'importe où, bras dessus, bras dessous, en chantant des chansons. C'est si bon de se dire des mots doux, des petits rien du tout, mais qui en disent long. En voyant notre mine ravie, les passants dans la rue nous envient. C'est si bon de guetter dans ses yeux un espoir merveilleux qui me donne le frisson. Ça vaut mieux qu'un million. Tellement, tellement c'est bon. Vous devinez quel bonheur est le nôtre. Et si je l'aime, vous comprenez pourquoi. Elle m'enivre et je n'en veux plus d'autre. Car elle est toutes les femmes à la fois. Il n'y a pas grand endroit à Paris, c'est qu'on peut avoir une vue de la ville. Il y a la Tour Eiffel. Il y a la tour Montparnasse quand on est capable d'y aller. Il y a ici également la butte Montmartre. À la moindre occasion, c'est bon de jouer du piano tout le long de son dos. Tandis que nous dansons, c'est inouï ce qu'elle a pour séduire. Sans parler de ce que je ne peux pas dire. Et c'est si bon quand je la tiens dans mes bras de me dire que tout ça c'est à moi pour de bon. C'est si bon. Et si nous nous aimons, cherchez pas la raison. C'est parce que c'est si bon. C'est parce que c'est si bon. C'est parce que c'est trop bon. C'est ma dernière soirée à Paris. Demain, je prends le train pour me rendre à Carcassonne. Alors, ce que je vais faire comme dernière soirée, je vais faire la nouvelle passion que j'ai trouvée. On appelle ça des escape games. Et on m'a conseillé le Majestic, qui est apparemment un des meilleurs escape games à Paris. Majestic.
J'ai trouvé sur Facebook deux partenaires qui vont se joindre à moi, Marco et Flore, que j'attends présentement. Et c'est ça. Bye bye. Ce voyage. Alors, Marco et Flore, oui, qui seront mes partenaires pour couler avec le Titanic. Eh bien voilà, on vient de faire la salle de Titanic au Majestic et nous avons survécu! Oui. Et nouveaux amis. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé.